Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui les Elonishmat Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Rav Yosef Chaim Ben Emasimcha, Chaim Elio Ben Shalom Luski, Zarabat Mazal Tov, Shishportish Giyakov Ben Blanche Hajaj. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra, Perek Gimel. Chezkat Abatim Vaborot, Vashichin, Vamearot, Vashovachot, Vamechatsaot. ובית עבדים, ובית השלחים, ועבדים, וכל שהוא עושה פירות תדיר, חזקתן שלוש שנים מיום ליום. שדה הבעל, חזקתה שלוש שנים, ואינה מיום ליום. רבי ישמעאל אומר, שלושה חודשים בראשונה, ושלושה באחרונה, ושתים עשר חודש באמצע, הרי שמונה עשר חודש. רבי עקיבא אומר, חודש בראשונה וחודש באחרונה ושנים עשר חודש באמצע, הרי ארבע עשר חודש. אמר רבי ישמעאל, במה דברים אמורים? בשדה לבן, אבל בשדה אילן, כנס את תבואתו, מסק את זיתיו, כנס את קיצו, הרי אלו שלוש שנים. משנה לונג, qui a introduit un sujet essentiel, le thème des חזקות. On va, avant de lire et traduire la Mishnah, ça n'a presque pas de sens de le faire sans bien introduire. Donc on va s'attarder sur l'introduction et puis ensuite on essaiera d'aller un peu plus vite pour la Mishnah. On va introduire donc le sujet des chazakot, les présomptions. En bon français, on parle de quoi? On va illustrer ça avec un cas concret. J'ai prêté ma maison un Shabbat à un voisin qui organisait la bar mitzvah pour bar mitzvah de son fils, par exemple, et je suis parti passer Shabbat ailleurs, motzé Shabbat. Je rentre à la maison avec mes valises, mes enfants, on est tous fatigués, on a envie de rentrer chez nous, on rentre la clé ne rentre pas. Étrange, on insiste un peu, on se met à taper à la porte, quelqu'un en pyjama, en peignoir, m'ouvre la porte, me dit « qu'est-ce que vous voulez ?» Je dis « ben vous êtes chez moi, monsieur. » Et le monsieur me répond « chez vous ?» J'ai acheté votre maison vendredi, vous vous rappelez pas? Vendredi après-midi, je suis venu à la maison. Et je suis venu vous acheter votre maison, je vous ai donné un million cash, vous êtes parti, pourquoi vous revenez chez moi maintenant ? À qui vous donnez raison? On a une grande règle. Amotzi mechavero ala veraya. Zeklal gadol bedin amotzi mechavero ala veraya. Telle est la grande règle des litiges d'argent. Amotzi mechavero, celui qui veut faire sortir de ce que l'autre détient, à lui de prouver. Concrètement, le cas il est simple. J'ai une montre sur mon poignet. Vous venez, vous me dites hey, c'est ma montre. Je dis bah, prouve, jusqu'à preuve du contraire. La montre, je la détiens. Toi, tu veux le faire sortir de ton prochain, à toi de ramener la preuve. Ça, c'est quand on parle de biens mobiliers, et même ça, il y a des cas particuliers, on aura l'occasion d'en parler quand on arrivera, dans la suite de la Mishnah, dans le dernier exemple des avadim, les esclaves. Mais pour le moment, on parle en général sur les biens mobiliers, biens immobiliers. Sur les biens mobiliers, la règle, elle est relativement simple. Je détiens, je l'ai dans les mains. Mais un bien immobilier, comment je le détiens? Est-ce que c'est le fait de vivre dans la maison? En l'occurrence, je vais rester maintenant passer la nuit dehors. Qu'est-ce que je vais faire contre cet imposteur qui m'a volé ma maison? Alors sur ça, c'est important donc de définir ce qu'on appelle une chazaka. Avant de dire celui qui veut faire sortir de ce que l'autre détient à lui de prouver la preuve, il va falloir définir juridiquement, légalement, qui détient. C'est pas parce que tu exploites un bien, une maison pendant 24 heures que ça s'appelle que tu la détiens. En réalité, on a une confrontation de deux forces, de deux présomptions. Une en faveur de l'un et une en faveur de l'autre. L'un, certes, exploite, mais l'autre, il a ce qu'on appelle la chezkat marekama, le premier propriétaire. Dans les biens immobiliers, celui qui l'emporte, c'est toujours le premier propriétaire. Celui qui l'emporte, c'est théorique, parce qu'on va ensuite expliquer pourquoi il y a un problème concret. Jusqu'à preuve du contraire, les biens, on présume que les biens n'ont pas bougé jusqu'à que le nouveau prétendant prouve que c'est lui qu'il a effectivement acquis le terrain. Donc en théorie, dans l'histoire de mon Shabbat, il n'y a presque aucun problème. Je lui dis, tu déguerpilles tout de suite, sinon je t'amène la police tout de suite et tu dégages. Pourquoi? C'est moi le marécama. Ça fait 15 ans que je détiens ma maison, c'est la mienne. Jusqu'à preuve du contraire, c'est chez moi ici. Tu prétends toi le contraire, c'est pas moi. C'est pas parce que tu es en ce moment en pyjama dans ma maison en train de marcher pieds nus que ça signifie que c'est chez toi. C'est chez moi parce que je la détiens. Je suis le marekama, je suis le premier propriétaire. D'accord? Ça, c'est sur ce coup-là, j'ai gagné parce que je suis le marekama. Maintenant,
Supposons maintenant que celui qui m'a vendu la maison, il est à côté et il me dit « Ah, c'est le premier propriétaire qui l'emporte, mais tu te rappelles que c'était ma maison ?» Initialement, il y a 18 ans, en fait, il y a 15 ans, il y a 16 ans, c'est toi qui m'as mis dehors de force et depuis, j'ai pas osé broncher, mais en réalité, cette maison, c'est la mienne. Qu'est-ce que je fais maintenant contre lui? Ce que moi, j'affirme contre cet imposteur du Shabbat, lui, il affirme sur moi que j'ai vécu pendant 15 ans. Alors là, on va avoir un problème. Si on dit que c'est le Marikama, c'est le premier propriétaire qui l'emporte, en théorie, ce serait à lui de l'emporter. Entre parenthèses, aujourd'hui, on n'a plus de problème parce qu'aujourd'hui, on a le Rishum Batabo, on a le registre des biens, le cadastre en bon français. Donc de nos jours tout est prouvé, mais à l'époque il n'y avait pas de législation claire encore, avant que le pays ait une allure de pays. Il y a encore 70 ans, c'était la jungle ici. Je détiens pas, il y a encore des terrains disputés en Israël, à part les territoires occupés ou disputés. Il y a des terrains comme ça qui sont encore flous. Il y a la loi syrienne sur certaines frontières de 67. C'est un grand balagan. Donc, dans les règles comme ça, comment prouver une propriété? Prouver une propriété, il va falloir affirmer que je l'ai acquis. Alors, en théorie, donc je reprends maintenant le schéma. En théorie, on a le Cheskat Marikama, le premier maître Marakama. C'est comme Mar en hébreu, monsieur, le premier, le maître. Et Kama, premier, comme Baba, Kama c'est le premier. Le premier propriétaire, en général, on va dire que c'est lui qui détient jusqu'à preuve du contraire. Mais malgré tout, Khamim, ils ont dit, regarde, c'est pas possible, malgré tout, d'imposer à un acheteur de maintenir, de détenir, de garder précieusement un contrat, le contrat de... Puisque lui, il est le propriétaire, donc quand prouver contre lui, ça signifie que je vais ramener forcément l'acte d'acquisition. Maintenant, Khamim sont venus et ont dit, écoute, c'est pas possible d'imposer à quelqu'un de garder des actes d'acquisition pendant 90 ans, c'est une folie. Alors, Khamim, ils ont dit comme ça, ils ont évalué ça à 3 ans. C'est le vif de notre Mishnah. Ils ont évalué ça à 3 ans, ils ont dit, écoute, pendant 3 ans, c'est une durée assez conséquente, 3 années qui se sont écoulées, et malgré tout, je suis là et on n'a entendu personne se plaindre, jusqu'à 3 ans... Je veille à bien préserver mon acte d'acquisition. Après 3 ans, ça y est, on va pas me demander maintenant de sortir des actes. La vie, elle a continué depuis. Moi, j'achète des maisons toutes les semaines, bien sûr. Donc, vous comprenez, mais je vais pas stocker comme ça indéfiniment des quantités de paperasse. On garde pendant une durée conséquente. S'il a à se plaindre, qu'il se plaigne. Et si c'est tu, ben, qu'il se taise à jamais. Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? C'est le principe d'être à sa côte. Présomption. En bon français, une présomption, la définition, j'ai cherché un petit peu sur internet pour voir comment traduire le mot chazaka, c'est le meilleur mot que j'ai trouvé. La présomption, c'est un fait connu, c'est quand on a un indice matériel supposé vrai jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'ai un indice, c'est moi qui vis dans cette maison maintenant depuis plus de 3 ans, jusqu'à preuve du contraire, on suppose que c'est le vrai jusqu'à que tu prouves qu'en réalité je t'ai volé la maison. D'accord? Ça, c'est le principe donc des chazakot. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à traduire constamment en présomption chazakot, puisque c'est un mot qu'on n'utilise pas dans le commun du langage, donc ça peut faire autant garder le bon concept et utiliser le mot en hébreu, pourquoi pas. En tout cas, on va rester fidèle à la traduction. Chezkat abatim, les présomptions des maisons, les chazakot des maisons. Donc, que jusqu'à preuve du contraire, on va dire que c'est toi qui la détiens jusqu'à preuve du contraire. On va avoir une liste d'exemples, jusqu'à qu'à la fin, on va jeter la loi en disant Cheskatan Jaloshanim Yom Leyom, il faudra les détenir pendant 3 ans successivement, constamment. D'accord? C'est une phrase longue, c'est un sujet assez complexe, et là, avec une phrase qui en plus de ça bien épuisante, parce que chacun va nous demander de lire et de traduire. En tout cas, on peut même on n'a qu'à traduire tous les exemples d'un coup, et après on fait une synthèse. C'est le même principe qui les génère quasiment tous. Cheskat Abatim, donc les présomptions pour les maisons. Prétendre qu'une maison c'est la mienne, présumer qu'une maison c'est la mienne, juste parce que je la détiens depuis assez longtemps. Vea Borot, Vea Shichin, Vea Meherot. Ce sont trois sortes de réservoirs d'eau. Borot c'est un puits, Shichin c'est une tranchée, c'est étroit et long. Meherot c'est un puits, cette fois-ci recouvert, ça traduit une caverne, en tout cas avant, d'accord. C'est des réservoirs d'eau. Vea Shorachot, les pigeonniers, celui qui élève des pigeons chez lui. C'est aussi un bien immobilier. Va Mechetzaot, un bain. D'accord, une salle de bain, c'était fréquent à l'époque aussi. Ou Bet Abadim, un pressoir. Ou Bet Ashlachin. Et aussi, un champ
irriguer manuellement, artisanalement. On va expliquer ensuite pourquoi. Je préfère d'abord finir le groupe des mots. Tout ça, c'est des biens immobiliers. Et un cas particulier, c'est les avadim, les esclaves aussi. Vechol sheu oseh perot, c'est-à-dire, et aussi toute chose qui produit des fruits constamment. Alors, ça produit des fruits constamment. C'est la règle, en fait, qui les génère tous. Chezkatan shalosh shanim yom leyom. On définira, on établira qu'on a fait une chazaka. On a enfin une présomption de bien, de droit sur le bien, que après 3 ans consécutifs, constants. Il ne manque pas un seul jour. Le principe, il est simple. Une fois que j'ai... Alors, maintenant, je reviens maintenant. D'accord, on a fini, on a fini de traduire la première partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah, ça va juste être de nous dire qu'il y a par contre d'autres cas où c'est pas la peine d'avoir 3 années pleines successives. On va pouvoir raboter un petit peu, par-ci, par-là. On le verra ensuite. Le principe, maintenant, je reprends. Je reprends le schéma pour bien comprendre une notion importante. Ça vous aide aussi à comprendre la suite des Mishnayot. En théorie, donc, comment détenir un bien immobilier? Comment prétendre qu'il est à moi? Alors, en théorie, on va toujours selon le Marekama, le premier propriétaire. Seulement, Chachamim, ils ont dit, c'est pas possible, c'est une folie de garder des contrats de vente indéfiniment. Donc on va établir 3 ans, on garde le contrat. Après 3 ans, ça y est, l'autre, il avait qu'à réagir. Il avait qu'à rétorquer quelque chose, il avait qu'à se plaindre, il avait qu'à contrer le fait que je suis installé dans cette maison. D'accord? Partant de ce principe, donc, on déduit de là quelque chose de très important. C'est que si l'autre a effectivement fait ce qu'on appelle une mecha'a, il a contesté. Il était, par exemple, il est parti vivre, supposons un cas qui peut se passer, il est parti vivre en Amérique pendant 3 ans. Moi, je savais qu'il avait un programme de ne pas revenir pendant 3 ans, je me suis mis à squatter sa maison. Alors quoi, c'est fini, maintenant il est bloqué. Il ne va plus pouvoir, quand il va revenir, il va perdre sa maison. Alors, il y a tout un truc, on va en parler dans les prochaines Mishnayot, mais en tout cas, juste une petite notion pour le moment, c'est la notion de la mecha'a. C'est que, finalement, on apprendra qu'en réalité, même quand il vit en Amérique, il y a toujours des va-et-vient, il finira toujours par savoir que j'ai commencé à squatter sa maison, et donc il devra, depuis là-bas, faire ce qu'on appelle une mecha'a, contester, faire courir le bruit que je suis un imposteur, que je lui ai volé sa maison. D'accord? Se plaindre. Et par le simple fait que maintenant, il a contesté le fait que je suis installé dans sa maison, alors moi, ça fait que moi, maintenant, en Israël, je vais réagir, je vais dire, oh là là, celui-là, il va me faire des problèmes quand il va débarquer. Je vais mieux garder mon contrat de vente. Et de ce fait, donc, lorsqu'il y aura confrontation entre nous, ce sera lui qui aura raison jusqu'à que moi, je sorte mon contrat de location. D'accord? Vous avez retenu le rapport? On aura l'occasion de le repréciser. Ce qui m'intéresse maintenant dans cette histoire, c'est significatif en fait. Lorsque je détiens la maison pendant 3 ans, qu'après on va présumer que c'est la mienne jusqu'à preuve du contraire, c'est uniquement parce que lui s'est tu pendant les 3 ans. De la Mishnah maintenant, hein, la Mishnah vient nous précise, attention, il faut nécessairement que toi tu t'installes dans la maison pendant 3 ans consécutifs. Si tu as fait une pause pendant 1 mois, t'as fermé la maison, toi t'es parti revivre chez tes parents pendant 1 mois, t'as laissé la maison non occupée, l'autre pourra dire, ben, moi je suis revenu, j'ai entendu que toi t'as commencé à squatter ma maison. J'ai fait depuis l'Amérique, j'ai pris un avion pendant 24 heures, je suis venu, j'ai vu que la maison elle était tranquillement, il y avait personne qui était installé, je suis reparti. Vous avez compris ce qui se passe? Puisque c'est fondé sur le fait que, moi je voulais dire, j'étais installé, il fallait réagir, alors il faut que Bémet j'étais installé pendant 3 ans d'affilée. Parce que s'il y a un trou au milieu, l'autre va pouvoir prétendre et dire « Je suis une bignou au moment où toi t'étais pas là !» C'est la preuve par excellence que t'as entendu que moi j'allais revenir et que toi t'as préféré te barrer, comme ça je te fais pas des problèmes. Donc finalement, puisque j'ai plus 3 ans consécutifs, je perds ma chazaka et c'est le marekama, c'est le premier propriétaire qui va rester, qui va continuer à détenir la maison jusqu'à preuve du contraire. Le principe est clair, c'est pour ça donc que la Mishnah nous insiste et nous dit 3 ans consécutifs, sans aucun trou au milieu. On continue maintenant la deuxième partie de la Mishnah. On va essayer maintenant d'aller un petit peu plus vite avec un nouveau cas de figure. Jusqu'à maintenant, on a parlé de choses... Ah, on a sauté les esclaves, excusez-moi. Les esclaves, c'est très simple, c'est le même principe. Bien que ce n'est plus un bien immobilier, mais il a ce qui se passe, c'est que l'esclave, c'est quelqu'un qui se promène constamment. Il rentre chez le voisin, il en ressort sans problème, il peut partir boire un pot avec l'esclave du voisin aussi. Vous imaginez bien que si l'autre, une fois qu'il est chez lui, l'autre, il va fermer la porte, il va le séquestrer chez lui, il va dire « Ah, c'est le mien, jusqu'à preuve du contraire. » Sur ça, on va lui dire « Écoute, un esclave, c'est pas un bien qu'on détient, qu'on tient avec une laisse. »
prouve que c'est à toi depuis 3 ans, et jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le Marikama. En réalité, le Bartanura va nous rapporter même qu'il en va de même pour tout bien mobilier, des petits moutons par exemple, des chiens qui peuvent se promener facilement, entrer chez le voisin et ressortir. C'est comme ça, accepté dans tout le moshav, tout le kibbutz. Ouais, chacun il a son chien, il le laisse se promener, gambader, rentrer chez le voisin, ressortir. De ce fait, quand quelqu'un il va vouloir enfermer un chien et dire hey, « c'est moi le mourzak, c'est moi qui a la chazaka, c'est moi qui que l'on présume le propriétaire », on va lui dire « oh, reste tranquille, on peut pas, on détient pas un chien par le simple fait qu'on l'a enfermé chez soi, parce que c'est quelque chose qui bouge facilement, qui se déplace librement, qui rentre chez le voisin, donc il n'y a aucune, ça exprime rien du tout le fait qu'il soit en ce moment chez toi en réalité. » On peut maintenant continuer la suite de la Mishnah. « Sdehabal » Sdehabal, maintenant, dans le premier cas de la Mishnah, on avait rapporté un bet hashlachin, un champ irrigué manuellement, artisanalement. À la différence, on a toujours ces deux types de champs en opposition. Il y a le champ qu'on arrose à la main, et il y a le champ qu'on laisse le Hachem faire le travail, envoyer sa pluie, et c'est ce qu'on appelle un bet à Baal, qui est arrosé, qui est irrigué par les pluies uniquement, pas manuellement. Il n'est pas irrigué, donc il est arrosé par les pluies uniquement. D'accord ? C'est deux types de champs. La différence, elle est simple. C'est que dans la mesure où je dois arroser moi manuellement un champ, alors je dois l'arroser, je peux donc l'arroser à n'importe quelle période de l'année. De ce fait, c'est un champ que toute l'année je vais l'exploiter pour me produire de récolte. À la différence d'un champ, on parle bien sûr à l'époque, à la différence d'un champ où il était arrosé uniquement par les grâces d'Hachem, alors, de ce fait, on faisait une récolte par an et on laissait les pluies venir pendant la saison des pluies et puis ensuite on traversait tout l'été où il n'y avait plus de pluie. C'est pour ça qu'il y avait des champs. En été, on laisse le blé sécher, quoi. Ça ne produit plus. Donc la différence, elle va être quoi? Elle va être que finalement, dans un bet hashlachin, donc un champ irrigué manuellement, alors on a la capacité de produire constamment, puisque tu peux produire constamment, tu dois produire constamment pendant 3 ans pour prouver qu'il t'appartient. À la différence du Sdeha Baal, ce sont les avis qu'on va voir dans la Mishnah maintenant, un Sdeha Baal, donc un champ arrosé par les pluies, Cheskatan Shaloshanim, le droit de présomption qu'on va être pendant 3 ans aussi, mais attention, Ve'ena miyom leyom, c'est plus la peine d'avoir 3 années pleines, mais combien il faut exactement? Rabbi Shmuel Omer, le principe je le dis tout de suite, 3 saisons de fruits uniquement, puisque le but, il est de prouver que j'ai consommé les fruits pendant 3 fois consécutives. Dès que j'ai affirmé que j'ai consommé les fruits 3 fois consécutivement, les fruits c'est l'essentiel du champ, donc c'est à ce moment-là qu'il fallait plaindre, et pas venir dans les périodes creuses où de toute façon il n'y avait personne dans les champs, et il n'y avait que de la paille qui était en train de venir de sécher. D'accord ? Donc, Cheskatash Shalosh Shanim, pour pouvoir détenir un prétendre, présumé, que le champ est à lui, il faudra 3 ans, avec Enam Yom Leyom. Par contre, elle ne sera pas constante de 3 ans. Mais elle sera de combien? Rabbi Shmuel nous dit, Shlosha Chodashim Barishona, il suffit d'avoir une petite récolte de 3 ans pour la première année. D'accord? 3 ans, de 3 mois pour la première année. Ça, c'est au lieu de faire une année pleine, on fait uniquement une petite récolte importante comme ça de 3 mois. On se débrouille de faire un petit peu d'orge ou un petit peu d'avoine, c'est les exemples qui vont être apportés dans le Bartanura, et des hadashim aussi, des lentilles. Tu fais quand même une petite récolte pour la première année, ça y est, t'as mangé une année. La deuxième année, tu consommes normalement une vraie récolte de blé. Et la troisième année, de nouveau, tu nous fais encore un petit 3 mois de quelque chose. Au final, regardez comme il est gentil Rabbi Shmuel. Si vous êtes fatigué pour ne pas faire le compte tout seul, alors il vous le fait à votre place. Shlosha chodashim arishona, 3 mois en premier, dans la première année, pour la première année. Veshlosha b'acharona, 3 mois pour la fin de la troisième année. Ushnem esek chodesh ba'emtsa, 12 mois plein au milieu. Arei shmona sa chodesh, au total 3 plus 12 plus 3, si je ne me trompe pas, ça fait l'équivalent de 18, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Shmuel. Il y a une raison pourquoi il a besoin de le dire, on en parlera ensuite. Rabia qui va nous dire non, c'est même pas la peine de faire 3 mois et 3 mois pour prendre mon sandwich chez les 12 mois. Il suffit même de faire Chodesh Barishona, Chodesh Bachorona. 1 mois uniquement pour la première année, en guise de consommation de la première année, et 1 mois en guise de consommation pour la dernière année. Et 12 mois au milieu, et de nouveau Rabbi Akiva, il est gentil, il nous fait le décompte lui-même. Arei Arbaa Sachodesh. Voilà donc 14 mois d'affilée. En réalité, ils sont simplement venus nous dire qu'attention, tu devras faire ces 3 récoltes, donc ces 3 années de récolte finalement,
consécutive. Tu ne pourras pas commencer à en faire deux et traîner un petit peu, laisser un petit trou et puis après rattraper ça au bout de quelques mois plus tard. Ils doivent nécessairement être un morceau. Finalement, faire une consommation qui s'étale sur 3 années sans qu'elle dure pendant 3 ans, si c'est fort en anglais. D'accord ? Elle s'étale sur 3 années et elle prend son sandwich une année avec un petit peu de la première année, un petit peu de la dernière année. Là, la discussion entre Rabbi Shmuel et Rebecca, est-ce que c'est 3 mois ou 1 mois ? D'accord ? Rabbi Shmuel vient maintenant, il nous donne une précision aussi nouvelle. Amar Rabbi Shmuel, attention, quand j'ai insisté, je me suis tenu au fait que tu dois consommer pendant une durée de 12 mois plus une durée courte et une autre durée courte avant en sandwich. Dans quel cas je t'ai parlé ? Uniquement Bisdelavan. Un Sdelavan, c'est un champ blanc, c'est-à-dire un champ de céréales. Un champ dans lequel on cultive en général, quand on passe à côté d'un champ de céréales, il a l'air blanc. Du coup, par extension, on va définir tous les champs de légumes un champ blanc. Par contre, avec le Bisdelavan, dans un champ d'arbres, donc où on cultive plutôt des arbres, des poiriers, des pommes et tout ça, alors là, regardez ce qu'il va nous dire. C'est plus la peine de s'étaler dans le temps, il suffit de prendre trois récoltes importantes uniquement, et on prouve la présomption de priorité, donc la chazaka, avec 3 récoltes uniquement sans s'étaler sur 3 ans. Comment ? Kanas et dvuato. S'il a, si on traduit, ça, il a engrangé sa récolte, en réalité, on parle de vigne. D'accord ? Le mot dvoa, on l'utilise aussi pour la vigne. Et ensuite, Massak et Zetav. Et ensuite, il a cueilli ses olives. C'est intéressant comment en hébreu, on a un terme pour définir la cueillette de chaque arbre. Il y a Messika pour les étimes, il y a Betsira pour la vigne. Il y a Goder pour le palmier. Il y a chaque arbre, je pense que ça dépend s'il faut monter avec une échelle, s'il faut escalader sur l'arbre, ou s'il faut monter avec une ficelle. Je suppose que ça dépend de ça, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je l'ai déjà vu une fois écrit, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est le même principe. Quoi qu'il arrive, on le dit. Kanaset vuato, masaket zetav, ve kanaset keitso. Keitso, c'est les fruits de la fin de l'été, c'est les figues. Donc, s'il a pris une fois le fruit de la vigne, tous les raisins, et ensuite il a pris toutes les olives, et ensuite il a pris toutes les figues du champ, Arelu Shaloshanim, ça a le même statut que 3 années pleines. On a fini à présent la Mishnah. Il y a de quoi bien sûr s'étaler, mais je préfère aller vite, au moins qu'on s'en tienne à une Mishnah pas trop étalée. On essaye au moins de ne pas dépasser les 25 minutes. Cheskat Abatim, c'est quoi Cheskat Abatim? De quoi on parle donc quand tu parles des présomptions des maisons? Alors le partenaire maintenant va nous faire toute l'historique, regardez. Misha Abatchtaro, celui qui a perdu son contrat. Vevi Edim, Chechezik Shaloshanim. Et il a ensuite, certes, je peux plus prouver ma propriété avec le contrat, mais j'ai apporté des témoins que ça fait déjà 3 ans que je consomme sans arrêt. Bekol hanach dektive bematnetin. Pour tous les cas qui sont évoqués dans la Mishnah. Ne'eman lomar shehem lekuchim beyado. Il sera cru, on lui donnera l'avantage à lui lorsqu'il prétend qu'ils sont à lui. On ne le dira plus. Aïté, shtar, mechira, shemecharu, alach. Apporte le contrat de vente qui te l'a effectivement vendu. Pourquoi ? Deat, tlad, shenim. Jusqu'à 3 ans. Misdaher, inish, bishtare. Misdaher, c'est l'ehizaher, faire attention. Et en araméen, la forme pronominale, ça devient misdaher. Il fait, un homme fait attention à son contrat pendant 3 ans. Tfeh, mitlad, shenim. Par contre, plus que 3 ans, l'on misdaher, il fait plus attention. Vamrinan, et on dira dans ce cas-là l'autre, on dira celui qui est contre lui, im ita de los avanta, si c'est comme tu prétends que tu ne lui as pas vendu, tu avais qu'à contester, protester, velomar bifnei shnaim, et dire devant 2 personnes uniquement, deo, tout ça sera apporté dans les prochaines Mishnah. Mais comme ça, le partenaire nous fait déjà rentrer la notion, comme ça on l'assimile un petit peu déjà. Velomar bifnishem, donc tu aurais dû dire devant 2 personnes. Deu, sachez, chez Ploni, achilla la raï begazlanuta, que tel qui squatte ma maison est en train en ce moment de manger mon terrain en vol. Vaya d'avoir ma gale osnav. Et dans ce cas-là, le fait que tu oses protester, même de loin, ta protestation serait arrivée jusqu'aux oreilles de celui qui est installé dans le champ, va Yanis Har Bishtaro. Regardez, c'est tout un système entier. Et dans ce cas-là, il aurait donc
parer au problème en conservant mieux son terrain. Comment c'est possible qu'on se fonde sur le fait qu'il proteste devant des témoins? C'est parce que tes amis ont des amis, genre dès qu'on commence à parler, à se plaindre, les rumeurs courent tout simplement. On fait courir les rumeurs. Ton ami, il a des amis, il a des amis. En fait, depuis l'Amérique, il va commencer au Mikvé. Dans Oshtetel, on parle toujours au Mikvé, on raconte tous les ragots. Donc, il va commencer à se plaindre là-bas, et l'autre, il va ensuite partir la semaine d'après dans un autre Mikvé, où ils vont commencer à parler, hein, jusqu'à que finalement, en Israël, à 8000 km, 4000 km, je sais plus où on en est, 8000, il va finalement entendre qu'il a intérêt à faire attention à son contrat. Au Midolo Machit, et du fait qu'il n'a pas protesté, que tu n'as pas protesté, au Midolo Machita, puisque tu n'as pas protesté, c'est toi qui as perdu. Shovachot. Des pigeonniers. Chez Begadim, Ben Yonim, qu'on élève dedans des pigeons. Bet Abadim, c'est des pressoirs. Chez Otsrim, Bahem, Zeitim, la sorte chez Men, que l'on écrase là-bas les olives pour en faire de l'huile. Bet Ashlachin, c'est un terrain, un champ irrigué artisanalement. Mitor, chez Ma'ayan Betocho, du fait qu'il y a une source en lui, c'est-à-dire qu'on a besoin ici de faire intervenir l'homme et de prendre l'eau lui-même pour la verser, chez Mashkinotom Yumenotamid, et qu'on doit constamment l'arroser, et de ce fait, Ose Perot Tadir, il fait donc des fruits constamment, et de ce fait, Ose Perot Tadir, toute chose qui fait constamment des fruits, Chaskato Shanshanim Yumenotam, il devra impérativement l'exploiter successivement pendant 3 ans. Vea Abadim, et les esclaves, Avaliodegarim Alanagodrot, Anelem Chazaka. Le partenariat se lève un problème, bien qu'en général on tient comme règle que Godrot, c'est des sortes de chèvres. Il n'y a pas de chazaka, il n'y a pas de droit de présumer que c'est à lui par le simple fait qu'il les détient. Pourquoi ? Kloma Hatson. Il explique c'est quoi la chambre de Godrot. Tson, c'est le bétail, le menu bétail. Tson, NM chazaka. Le menu bétail n'a pas de chazaka. On ne peut pas prétendre qu'il est à moi par le simple fait que je le maintiens dans les mains, je le détiens. Vuadin l'école Valchaim, il en va de même pour tous les êtres vivants. Pourquoi? De quoi on parle quand on a dit qu'il n'y a pas de chazaka dans de telles choses? C'est uniquement Haïnou chazaka l'altar. C'est uniquement le droit de présomption, du droit de propriété, uniquement lorsqu'il est pour tout de suite. Ou denem chazaka. Ou denem, qui n'ont pas de droit. Pourquoi? Shima Yvatson Ve'eved Yodim Yedouim Shem. Il explique maintenant, il illustre de quoi on parle. Shima Yvatson Ve'eved Yedouim Shem Shalad Amechad. Si le bétail et l'esclave étaient connus pour appartenir à Reuven, Venichnesu Beveto Shalad Amechad. Ensuite, ils sont entrés dans une autre maison de Shimon. Ve'tanze Shinichnesu Beveto. Et donc Shimon commence à prétendre les Kuchim Abiyadi, ils sont chez moi parce que je les ai achetés. Arrête Animurzak Bohem, regarde, je les détiens. Enzo Chazaka, c'est pas une bonne présomption. Pourquoi? Sheken Dorkam, la lechet me beit lebeit. Tel est l'usage de ces Balechaim, de ces êtres vivants, de se promener d'une maison à l'autre. Avalim Mirzik, Baevet Shaloshanim, par contre, s'il détient l'esclave pendant 3 ans d'affilée, avec Chazaka, dans ce cas-là, ça deviendra une bonne Chazaka, une bonne présomption de dire, ça fait 3 ans que tu le détiens, jusqu'à preuve du contraire, c'est toi le propriétaire. Ben, Tsarich, le Shtar Mechaim, il n'aura plus besoin de continuer à conserver l'acte de vente. Sdea Baal, maintenant, c'est quoi l'histoire avec le Sdea Baal, le champ arrosé par les pluies, Amista Peket Ben Mimek Shamim, qui se fait arroser par les eaux de pluie, Ena Osa Perot, Ela Pamarat Beshana, donc elle ne peut faire des fruits qu'une fois par an. Cheskata Shalosh Shanim, donc il faudra, certes, les détenir pendant 3 ans, par contre, elle n'a pas besoin d'être constante pendant 3 ans, mais on peut la réduire. Comment? Rabbi Shmuel Omer, Shlosha Chodashim. Rabbi Shmuel nous dit, tu le prends 1 an plein, 12 mois en sandwich, 3 mois avant, 3 mois après. Sheyesh Divoa Gedala Shlosha Chodashim, parce qu'il y a des récoltes qui peuvent quand même pousser en 3 mois, Kegon Seorim, comme de l'orge, Bishibol Chual, de l'avoine, Adashim, des lentilles, Venimtsa, Ochel, Shalosh Divoaot, Bishmona Sachodesh. Il s'avérera qu'il aura donc. Il parviendra ainsi à consommer 3 récoltes de 3 ans en 18 mois. En 18 mois, il a réussi à faire 3 ans. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, c'est même pas la peine de faire 3 mois et 12 au milieu. Tu fais 1 et 12. Yesh, Davar, Shengadal et Shloshemiyom, il y a aussi des choses qui poussent en 1 mois uniquement. Kegon Shachat, alors Shachat c'est les pousses des céréales.